salut les gamers et les gameuses, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo spéciale consacrée donc au personnage qui est sorti aujourd'hui en SD sur la chinoise. Je veux bien sûr parler d'Oneros. Voilà, on va tester le personnage ensemble. Voilà, pas de vidéo Bilili, voilà, c'est vraiment du live ensemble. Et là, je vous assure que je suis ultra hypé, voilà, j'ai commencé déjà à faire quelques games, et vraiment, c'est un personnage qui est en l'état, alors attention, hein, il faut avoir raison gardée, parce que, voilà, le personnage peut encore être modifié, malheureusement, mais en l'état, vraiment, je suis super hypé, il a vraiment des mécaniques très sympas, ça fonctionne très bien, ça protège la team, ça fait du gros DPS, c'est pas, ça n'apparaît pas à l'écran, mais il va super bien avec Pandore LC, vraiment, enfin vous me direz quel personnage ne va pas avec Pandore LC, mais alors vraiment c'est super, il apporte vraiment beaucoup de bonnes choses, moi vraiment là vous l'entendez, je suis super hypé par le personnage. Allez, on va aller se le tester ensemble en direct, et vous allez voir que vraiment, pour la peine, ben, je vous ai pas mis de musique, hein, je vous laisse la musique, enfin l'audio de la version chinoise du jeu. Alors je me suis fait une petite compo, voilà, tranquille, voilà, un petit peu passe-partout. Alors on part sur du Shun Goodclaws RC, puisque donc le Shun Goodclaws RC va être là pour protéger le Oneros. Voilà. Ensuite, un petit peu de Yoga Pog, ben, pour que ce soit le Oneros qui se prenne les dégâts. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Oneros, il est clairement là pour bloquer le DPS, je dirais des gros DPS de la team adverse. Alors, d'après les tests que j'ai fait, on ne peut pas monter à plus de, je dirais, deux personnages bloqués dans le rêve. C'est-à-dire qu'en fait, vous plongez le personnage dans le rêve et en fait, il ne peut faire du DPS qu'à votre Oneros. C'est-à-dire que aux autres persos de votre team, d'ailleurs, vous le voyez, on voit des zéros qui apparaissent. Aux autres persos de votre team, il ne peut pas faire de DPS. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir bloquer des Thanatos, on va pouvoir bloquer des Suikyo. Voilà. Donc c'est-à-dire que les plus gros DPS de la team d'en face vont être bloqués. Là, vous voyez, par exemple, j'ai bloqué le Camus Godclaws en face, et voilà, il va faire son attaque, et vous voyez, il me fait zéro de dégâts, et comme Oneros est protégé par Shun Goodclaws RC, et ben, j'ai ma team qui est plus ou moins tranquille, voilà. Alors après, il y a d'autres façons de faire, hein, rassurez-vous, hein, ce n'est pas non plus, je dirais, une vérité parfaite, mais vous voyez que vraiment, c'est super sympa, ça apporte beaucoup de bonnes choses. Enfin, en tout cas, moi, j'aime beaucoup la mécanique de ce personnage, et je trouve qu'il apporte vraiment des choses vraiment sympas, etc., etc. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le jouer. J'avoue que j'avoue que 2 mois à attendre, ça va être long, hein, ça va vraiment être long. En tout cas, vraiment très sympa à jouer. Vraiment très sympa à jouer, Oneros. Alors en plus, d'après les dernières vidéos qui circulent sur Internet, notamment celle de Cax, alors une information à prendre au conditionnel, hein, bien évidemment, mais visiblement, Oneros serait un personnage qui ne demanderait pas ou peu de tomes, donc ce qui est quand même assez intéressant, voilà. Bon, à voir quoi. Hein. Donc c'est très bien pour nos tomes, ça, parce que par contre la Pandore LC qui est super, qui est un super perso, eh ben elle va coûter tarif, les amis. Elle va coûter extrêmement tarif. Donc là, vous vous en doutez, quand on joue actuellement en SD sur la chinoise. Après, on va se faire un petit match en live ensemble. Quand on joue en SD sur la chinoise, eh ben, vous l'avez compris, tout simplement, ben, on a tout le temps du Oneros en face. Donc, je pense que ça va être un personnage qui va être souvent banni. Hein, parce que bon, je ne vais pas m'avancer en disant qu'il est Metabreaker, mais on n'est pas loin. Hein, on n'est pas loin. Donc, attendons sa version définitive. Voilà, attendons ça. Sa version définitive. Alors, par contre, un truc amusant. Bon, moi, ce qui n'est pas pour me déplaire, hein, vous me direz. J'ai remarqué que par rapport à sa version test, lorsque il utilise le pouvoir donc des dieux, il ne se transforme pas. Vous voyez, si vous vous rappelez les vidéos que vous avez vues
chez Aruzo ou chez Cax. En fait, le personnage se transformait en une espèce de chimère, voilà, qui ressemblait quand même un peu à autre chose que à la transformation du manga, qui, il faut le dire, est un peu du grand n'importe nawak. Mais vous voyez, ça fait quand même du dégât. Là, ça pique. Et là, il se transforme pas. Alors, je sais pas si c'est volontaire ou si c'est encore des bugs de développement ou je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, les deux me vont parce que je trouve la transformation du jeu tout à fait intéressante. Hein. Il se transforme en chimère avec des pattes de lion et avec plein de bras. Donc, j'ai envie de dire, ça passe. Hein. C'est pas, ça défend pas trop le perso. Et je trouve le perso vraiment très classe, donc s'il reste comme ça, en utilisant le pouvoir des autres dieux, moi ça me va aussi. Voilà, donc s'il bouge pas, moi ça me va très 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 bien. Donc non, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc vous voyez que quand même ça met du bouclier, voilà, là ça fait quand même du dégât, hein, je m'en prends quand même plutôt plein la gueule, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, la Pandore LC est là et elle veille au grain. Voilà, regardez ces persos qui reviennent full life sur le terrain, c'est que du bonheur. Voilà, et attendez, c'est pas fini, ça va revenir. Donc voilà, vos persos qui vont mourir à cause du saignement, Pandore LC est là. Là, vous voyez, donc j'ai balancé mon DPS et j'ai fait la razzia en face. J'ai fait la razzia, c'est génial ça, les copains. Ça, c'est vraiment super, hein. Vraiment, c'est du pur bonheur. Voilà, en tout cas, moi, pour l'instant, je kiffe et je surkiffe Oneros. Vraiment, je suis très, très hypé par ce perso. Hein. Vraiment, c'est très, 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 très fort. Ça marche vraiment super bien. En plus, voilà, je donne un peu plus de dynamique avec du double tour. Non, vraiment, ça match, mais alors, super bien. Alors, vraiment, vraiment, super bien. Je suis... au risque de me répéter encore une fois, je suis ultra hypé. Oh pétard, attendre septembre pour ce personnage, ça va être long les amis. Ça va vraiment être très très long. Allez, je me fais un petit match avec vous là, en direct live. Voilà, on va se faire plaisir. On va encore se tomber sur du Oneros. Ah, c'est son jour, hein, Oneros, hein, c'est normal, hein, il faut quand même voilà, faire ce qu'il faut avec le perso, quoi. Enfin, pour l'instant, voilà, c'est une team que j'ai fait, je vais pas dire à l'arrache, quoi, mais que j'ai fait un petit peu comme ça. Bah tiens, justement, on a une Pandore Trident en face. On va voir un petit peu ce que ça donne face à une Pandore Trident. Ça peut être intéressant justement de faire le comparatif. Allez, on est parti. Ouais, je suis x3, ouais, tout va bien. Bon, bien sûr, il joue avant moi, bien évidemment. Le mec qui joue en full speed, il va certainement me mettre la calamité sur mon Shungo Klaus, je pense. Ah non. Bon bah du coup, je vais en profiter. Hein. S'il ne met pas sur mon Shungo Klaus, pas de problème. Aucun problème. Alors sachant qu'on peut aussi mettre les personnages dans le rêve, ses personnages, ses propres personnages. Alors ça, j'avoue que c'est quelque chose qui est encore assez, je dirais, perfectible. Hein. Là, on est vraiment à chaud sur le perso, quoi. Donc, j'avoue, je suis un petit peu perplexe, mais là, il est possible donc de mettre ses propres personnages dans le rêve. Voilà. Donc voilà. À voir si un petit peu l'utilité à terme. Mais bon, voilà, c'est un peu space, quoi. C'est un peu space. Ah, je vais me faire défoncer ma Pandore LC. Ah ben voilà, elle est morte. Voilà, Team Artemis, toujours hyper cancer. Bon, là je vais faire... je vais mettre le double tour sur Alba. Voilà, coup blanc, hein, obligé.
Donc là, Artemis, vous voyez, est plongée dans le rêve. Donc ça veut dire que là, normalement, les coups d'Artemis, voilà, vous voyez, je me prends du zéro. Les coups d'Artemis ne fonctionnent pas. Voilà, ça ne fonctionne que sur le Oneros. Donc du coup là, je vais balancer un petit peu la sauce. Voilà, j'ai gardé 3 d'énergie pour lancer quand même le Oneros. Voilà, il tape sur ma chaîne, je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, donc là j'attends, 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 j'attends. J'attends, j'attends toujours. Bon, il m'enlève l'âme sur mon chemin de close. Ok. Oula, moins 100 000, hein, mange deux. Hein. C'est quoi cette abus? Voilà, deuxième perso dans le rêve. Bon, il va bientôt crever. Bon, c'est un peu dommage. Bon, là, je peux malheureusement toujours pas lancer mon Eros. Alors là, il est dans le rêve. Voilà, donc là, malheureusement, il m'a fait du dégât. Là, si j'arrive à balancer ma chaîne, voilà, allez, hop là, on va pouvoir mettre le Oneros dans la chaîne, voilà, voilà, allez, hop là, le coup qui part, là, le Oneros est protégé, ah, c'est excellent, alors que je ne l'ai même pas transformé, hein. Donc là, vous voyez un peu la razzia de malade que ça fait, hein. Donc très fort en héros, c'est un très très fort. Hein. Bon, malheureusement pas de barreau d'honneur. Hélas. Ouais, là ça va être chaud, hein, mais vous voyez que même avec un contrôle comme la... Comme la Pandore Trident, ça fait quand même, voilà, ça fait comme le café. Et comme je vous disais, voilà, personne ne se transforme pas. Bon, moi perso, ça me dérange pas, mais bon, voilà, quoi pour dire. Donc là, j'avais joué un Oneros assez lent. Bon, voilà, c'est fini, fin de la game. J'avais joué un Oneros assez lent parce que bon, je voulais utiliser le serpent à deux cornes de façon à vraiment le maximiser à fond le dégât. Mais à la rigueur, ce qu'on peut faire, on va changer. On va essayer de jouer plutôt un Oneros assez rapide, au contraire. Ouais, je vais changer. Hop là. On le met en... Ouais, parce que là, je me prends 534, vous voyez, en speed. Donc, il est pas hyper speedy, hein, le personnage. Donc on va essayer de le jouer un petit peu plus rapide. Donc là je suis à 534. Je vais mettre voilà le Shun God Close comme ceci. On va changer les cosmos. Là je m'étais mis en serpent à deux cornes. On voit que quand même en serpent à deux cornes ça fait quand même du dégât. Bon là je vais me mettre, même si c'est pas ultra méga speed, je vais me mettre en ciel et terre. Voilà. Allez, on est parti. Plutôt, on est reparti.
Donc cette fois, on va le tester un peu en vitesse. Enfin, vitesse, on va essayer de le mettre en full speed pour voir si on arrive à quelque chose. C'est bizarre, je suis tombé que sur des teams onéreuses tout à l'heure, et là, dès que je veux faire des lives, je tombe que sur des teams classiques. Bon, qui me défoncent la gueule, mais voilà quoi. Artemis, toujours team ultra chiante en SD, sur Pandore Trident. Bon, j'ai une compo contre ça sur la globale, mais là, je ne l'ai pas sur la chinoise. Et puis, on n'est pas là pour ça, donc voilà, on se focus sur Oneros. Allez, bon bah là, team classique, même pas de... Oui, d'accord, oui, j'ai pas compris ce que c'était l'intérêt là, mais à la rigueur, pourquoi pas. Allez, on va mettre dans la timidité. Ici, alors, je vais mettre... Bien sûr, le Thanatos dans le rêve pour protéger donc me protéger de son AoE. Voilà, on va laisser les autres faire le taf tranquille. Voilà, on va continuer à se mettre tranquillement du double tour dessus. Voilà, la Pandore elle sait. Qui fait rien, et en plus l'invincibilité du Milo qui proc. Voilà, là si j'arrive à mettre le Milo dans le rêve, concrètement, bah là il fait plus de DPS le mec. Donc on va essayer ça. Allez, on va lancer la chaîne pour sortir le Milo de la timidité. Qui n'est pas la timidité, mais qui est juste en mode furtif. Voilà, donc là, je dévie encore. Allez, on va essayer de mettre le Milo dans le rêve, je veux dire dans le cauchemar. Voilà. Là, c'est fait, et je balance la sauce. Bah, 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 bah. Ah, les gars, c'est hallucinant, c'est un truc de fou. Et vous savez quoi, ah, d'habitude je le fais jamais, mais ah ben non, j'ai pas les émotes, dommage. Je voulais faire le oh my god. c'est un truc de malade les gars, c'est waouh, bah, bah, bah. S'il laisse le perso en l'état, ah, ça va être le meilleur perso du jeu, je pense. C'est un truc de fou, et blâme. Oh, bon, 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 bon. Hallucinant, hallucinant le Oneros. Alors, hallucinant, un truc de fou. La Pandore Trident nous avait complètement bloqué la game juste avant. Mais alors là, bon, 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 c'est énorme. Donc là, les gars, vous l'avez compris, énorme perso Oneros. Alors, vraiment. Énorme. Moi perso j'aime beaucoup. Hein. Mais alors Garou nerf. Hein, là je le sens arriver. Hein, un nerf sinon rien. Là je le sens arriver gros comme une maison le machin. Parce que là il est trop pété quoi. C'est abusé là vraiment. C'est un truc de malade le perso. C'est un truc de malade. En tout cas ultra jouissif à jouer. Hein, alors vraiment ultra méga jouissif à jouer. Moi je me régale. Hein. Honnêtement, voilà, moi je me régale. Et en plus, voilà, j'ai même pas eu à le transformer. Vraiment, voilà, c'est waouh, c'est beau. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Moi, c'est du pur bonheur ce personnage. Hein. Je me répète encore, hein, attendre 2 mois pour l'avoir, ça va être long. Ça va vraiment être long. Mais bon, on a Pandore LC qui arrive, donc on a du très bon. Mais voilà, en tout cas, pour moi, en l'état. Le perso est complètement
pété, c'est un énorme oui. Oui, 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 on l'aime Oneiros, on le veut, on le garde. Voilà, maintenant, attention, attention honneur, je pense qu'il va y en avoir, parce que alors, franchement, s'il laisse le perso comme ça, mais alors, ça va être du permaban, hein, vraiment du permaban, ça c'est clair et net. En tout cas, voilà, j'espère que ce premier test sur Oneiros vous a plu. Voilà, n'hésitez pas, on reviendra dessus. Mais voilà, en attendant la sortie de Pandore LC, et bien sûr, tous les best-of SSA qui vont sortir tout au long de l'été. Voilà, moi je suis super hypé par le perso, vraiment, c'est excellent. Je valide à 100%. Et voilà, si vous avez envie de vous créer un compte sur la chinoise, suivez donc ma vidéo qui va vous expliquer comment faire. C'est gratuit et très 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 facile. Et vous pourrez tester tous les persos en SD. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air qui fait plaisir. Merci encore à FireMotion pour son travail sur la chaîne. Voilà, merci à toutes et ceux qui nous soutiennent. Merci aux nouveaux et aux anciens abonnés. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, enjoy the game. Ciao, ciao.